Bonjour, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo sur la ligne B du RER. Normalement, je voulais faire la vidéo jusqu'à Massy, jusqu'à la gare de Massy, sauf qu'il y a des travaux entre Massy et Verrières, entre les Baconnais et Massy Palaiseau, donc à faire la vidéo jusqu'à la gare des Baconnais. Voilà. Donc après, ben, je vais devoir prendre un bus de substitution parce que j'ai pas le choix. Et comme d'habitude, j'étais pas au courant. C'est donc aujourd'hui, alors le bus ne s'arrêtait pas à l'arrêt auquel je voulais. Et pour aller jusqu'à la gare de la Croix de Berny, j'ai dû arriver à pied parce que la reine n'était toujours pas desservie. Assurez-vous de ne pas oublier vos affaires personnelles. J'ai pas de chance. Please ensure you collect all your belongings. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje. Correspondance pour l'aéroport d'Orly. Change here for Orly Airport. Correspondencia para ir al aeropuerto de Orly. Attention, ce train part au terminus, nous pas connaître, il desservira toutes les gares. Merci. Fontaine Michalon. Fontaine Michalon. Attention à la marche en descendant du train. Voilà, on est à Fontaine-Michalon, d'ailleurs le train va partir. Et le prochain arrêt, c'est les Baconnais, le terminus provisoire. Parce que, alors, je ne sais plus jusqu'à quand, mais alors, c'est écrit là. La ligne rouvre entièrement à partir du 31 juillet. Et on est le 24, donc les travaux ont débuté aujourd'hui. Sauf que je n'étais pas au courant. Du coup, je croyais que les trains s'arrêtaient à Massy depuis la Croix de Berny, mais en fait, il n'y a pas de train jusqu'à Massy, parce qu'il y a des travaux entre les Baconnais et Massy. Du coup, à partir de Massy, les trains vont jusqu'à Saint-Rémy. Mais entre les deux, il faut prendre un bus de substitution, mais moi,
Après le bus de Soustine, je prends le RERC. Voilà, je n'étais pas du tout au courant, du coup je me retrouve un peu... Enfin, je me retrouve pas désorientée, mais je suis habituée à ce genre de trucs. Puis je connais bien le réseau d'Île-de-France, que ce soit le réseau de bus ou le réseau de train, même celui de métro. Je connais assez bien. Ah. Assurez-vous de ne pas oublier vos affaires personnelles. Je vais descendre de l'autre côté. Voilà. Collect all your belongings. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje. La gare. Peut-être. En tout cas, c'est logique. Enfin, ça me paraît logique, même si je n'étais pas au courant avant aujourd'hui. Mais... À voir. Oui, à voir. Parce que c'est pas toujours le cas. Ah, ça se coupe. Ah, voilà. Ah non, excusez-moi. Je tentais d'y aller. Voilà, on est au Baconnais. Donc là, on va prendre le bus de substitution de la ligne B. Par contre, je ne sais pas où il est. Il faut suivre les panneaux. Alors, les Baconnais, je ne sais plus dans quelle ville ça se situe. Mais bon, de toute façon, si je ne trouve pas le bus, je sais qu'il y a. Il y a une autre ligne qui me permet de quitter la gare aussi, la 119, mais il y a un employé de la RATP là-bas. L'arrêt est sûrement là-bas, parce qu'il y a plein de, gens qui viennent de l'autre sens. Et... Bon, vous ne voyez pas, mais moi je vois les panneaux, je vois les petits panneaux. Indique direction de bus de substitution où il se trouve. Donc voilà. Bon là, le camion. Merci. Bon. Là, il n'est pas devant la gare, l'arrêt. Mais on va le trouver. Il y a plein de gens qui y arrivent. Je pense qu'il est par là. Là, il n'y a plus d'indication. Déjà un mois et une semaine là. Ah, c'est par là. Et donc, c'est pas facile à trouver. Mais wesh! Attendez, c'est pas l'itinéraire, le truc pour montrer l'itinéraire du bus? Oh, je sais pas. Normalement, le bus est terminé ici. Je comprends pas. Ah, pourtant, il y a les trucs ici. Donc, s'il y a les machins au sol, c'est que l'arrêt est pas loin. Mais bon, quand on porte un sac de course, c'est assez long. C'est assez lourd. Du coup, c'est. Ça paraît très court à pied. Voilà. Là, je sais pas où le truc m'emmène. Mais il y a un panneau, il y a encore un panneau là-bas. Là, disons que c'est pas compliqué de le mettre à côté de la gare. Ou alors il me faut faire le tour. Peut-être que le bus est peut-être de l'autre côté de la gare. Oh. Bon là je suis pas perdue, je fais confiance quand même aux personnes qui ont mis les panneaux pour indiquer la direction à suivre. On fait une petite pause là. J'ai le masque, parce qu'on est plus dans la gare. Ça fait du bien quand même. Il n'y a pas trop de monde, parce que quand il y a du monde, moi je le mets le masque. Même quand je croise quelqu'un sur le trottoir. Je change de trottoir. Mais bon là, il n'y a pas trop de monde.
Donc, ah bah il y a le bus. Il y a le bus RATP, il est là, on va courir pour l'avoir, je ne veux pas qu'il s'en aille. Bonjour. Donc voilà, on est dans le bus du substit. Oui, ça va pas tout de suite, mais je cours. Là, j'ai quand même couru. Donc là, c'est la ligne 932. Mais comme d'habitude, ils mettent pas le numéro. Sur le site internet pour lequel tu le dis itinéraire, c'est indiqué, enfin le numéro du bus indiqué. Là je suis essoufflée. Bon, alors voilà, je vais poser le téléphone ici, je vais boire un peu. Ça fait du bien de boire, surtout quand on a couru. Alors je sais pas quand le bus part. On part bientôt. S'il y a du monde qui arrive. En train de s'en aller. Donc là, on part pour Massy Palaiseau. Donc il y a un arrêt, Massy Verrières, et après c'est le terminus. D'ailleurs là, le bus est extrêmement plein. J'ai eu la chance d'arriver avant parce qu'il n'y a plus de place assise. J'ai eu la chance. Donc voilà, là, le bus il est arrêté au feu tricolore. Là, avec le feu rouge, d'ailleurs, c'est. Et on voit que c'est. Là, c'est vert. Là, le bus est en train de démarrer. Là, je transpire de grosses gouttes. En plus, il fait chaud. On est au mois de juillet. Il fait 30 degrés à Londres. Alors, je peux vous dire qu'il fait chaud.
Donc voilà, on est arrivé à Massy, Palaiseau. Et le bus était vraiment plein, c'était quasiment plus de place. Tous les bus de remplacement étaient pleins parce que j'en ai vu qui allaient dans l'autre sens. Ils sont tous pleins. Là, on est arrivé à Massy enfin. Mon trajet était court, c'était assez rapide. C'était déjà bien. Et là, je vois mon RER qui s'en va. Chouette. Du coup, j'ai peut-être le temps d'aller au centre. A plus pour la prochaine.